Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme Servité Irritor. Waouh, aujourd'hui, bizarrement, on va pas parler showbiz ivoirien, hein? Ni africain, précisément, ni du coupé décalé. Aujourd'hui, je viens juste m'adresser à une psychopathe, là. Voilà, comme quoi, elle est d'origine congolaise et tout ça. Donc, j'ai à lui dire quelques mots. Et profiter pour vous dire que toutes les parties dans cette histoire des choses de cheese là, ne seront pas un truc épargné. Je vais parler là des hommes, je vais parler là des cheese là, et de cette idiote de dame qui se fait justice soi-même. Bref, c'est quoi le sujet en fait? Bien avant qu'on commence le fin fond du sujet, je vais vous expliquer un peu réellement ce qui s'est passé d'après les sources concordantes et confirmées même par la victime. En fait, vous savez c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille, parce que je ne veux même pas prendre la dame là comme personnage principal de cette histoire, de cette affaire là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est au Congo et qui fait la rencontre d'un homme. Bon, vous connaissez, hein? Bon, elle flash, le mec qui flash. Malheureusement, cette dernière, le mec il n'a pas son alliance lorsqu'il est en train de l'aborder et tout ça. Donc il attaque. Et vous savez, vous connaissez les garçons, il finit par coucher avec elle. Et où? À l'hôtel. Vous voyez un peu? Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ça a mal tourné. La fille a préféré que ça s'arrête là. Donc, pour vous dire qu'elle ne sortait plus avec le mari de cette dernière, de cette idiote là, de cette psychopathe là. Et elle a dit que c'est arrivé qu'une seule fois. Donc, la dame en question a remarqué, ne pas dire, a vu, a découvert que son mari l'avait coquifié avec une fille résidant au Congo. Donc, elle décide de rentrer au pays comme quoi elle vient prendre sa vengeance et tout ça. Mais pendant ce temps, le mec, comme la fille, elle est très belle. Elle est vraiment, 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 vraiment belle. Et puis peut-être qu'il a aimé la première fois. Il passait son temps à vraiment traquer la fille sur Messenger, traquer la fille sur Messenger. Et la fille qui lui refoulait parce qu'elle ne voulait plus de cette relation et tout ça. Donc, elle évitait. À la limite, c'était une relation amicale. Voilà. Et comme cette dame... très frustrée là, vilaine je dirais, parce que vous savez, je suis pas en train d'exagérer. Voilà, je vous ai dit que je ne serai pas trop tendre dans cette vidéo et je ne serai pas long aussi. Elle est très vilaine, ça faut le dire, par rapport à cette dernière là, en tout cas, elle est très très laide. Elle a commencé à mener ses investigations comme quoi, se fait passer pour son mari en prenant le numéro de ce dernier là. Je ne sais même pas ce qu'est genre de mari. Je pense qu'il y a un bas, comme on dit en Afrique ici, je pense qu'ils l'ont envoûté, je pense bien. Sinon, ça n'arriverait jamais. Elle prend le numéro de son mari et puis... elle se fait passer pour ce dernier-là. Elle cause un peu avec la fille. La fille lui dit non, qu'elle ne veut pas. Elle traque tellement la fille avec le numéro de ce dernier-là. La fille dit bon, si c'est pour se voir en tant qu'ami, il n'y a pas de problème, moi je viens. Malheureusement, la fille avait dit chez le monsieur. Et puis, malheureusement, elle tombe dans les griffes de cette sorcière-là, de cette déréglée-là. Et. Vous connaissez toute l'histoire qui a suivi viol, séquestration, maltraitance, bref, en tout cas, plein de choses vraiment condamnables. Je pense qu'elle elle en a au moins pour 15 ou 20 ans, si le droit veut être dit, en tout cas, voilà. Parce que là, je pense que c'est une atteinte à la dignité, voilà, à l'intimité de cette dame-là, qui est très, 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 qui est impardonnable, je dirais. Bref, ça, c'était ça un peu les choses, oh, l'historique de l'affaire. Bon, chère vilaine dame, parce que vous n'êtes pas une belle dame, ça c'est ce qu'il faut le dire. Voilà, j'ai pas envie d'être hypocrite, je dis ce que vous êtes en fait. Vous avez vu la miniature, hein? Et puis vous avez vu la vidéo. Quand vous regardez celle que vous appelez Tisa, et celle que vous appelez ancienne Tisa devenue maîtresse des lieux, c'est-à-dire femme au foyer, il n'y a pas match. Voilà, c'est le jour et la nuit. Bien avant d'aller sur cette histoire-là, je vais lui répondre rapidement. Chère dame, je vais vous dire quelque chose, ici c'est la Côte d'Ivoire, voilà, tous les artistes congolais respectent la Côte d'Ivoire, ils savent ce qu'on leur apporte. On est un pays très très hospitalier, on n'aime pas bruit, mais on n'aime pas foutaise, voilà. Parce que quand je vous regarde, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé tous vos posts et tout ça, vous, comme quoi les Ivoiriens sont des gueux là, ils sont des illettrés. Ivoiriens illettrés, le français que je parle là, si tu comprends, malgré que tu viens en Belgique, faut te foutre des gens, tu ressembles à rien,
On me dit que si son mari l'a trompée, c'est la faute à son mari. Certes, ça c'est la faute à son mari, mais c'est pas seulement la faute à son mari. C'est la faute à elle-même parce qu'elle ressemble à rien. Voilà, elle a de la frustration. Et elle a une grosse frustration en elle qu'elle n'a pas encore pu déverser. Donc elle s'est défoulée sur la pauvre dame là. La pauvre jeune fille. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Tu es une dame. Tu as été longtemps tisa. Tu as brisé de nombreux foyers. Et parce que madame, Dieu lui a fait la grâce de s'obtenir un foyer. Et puis je vous informe qu'elle a 5 enfants de pères différents. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis maintenant. Tu vas venir comme quoi c'est toi qui as trop souffert pour avoir ton homme, donc personne ne peut jouer avec. Ça va pas dans la tête là? Tu réfléchis avec tes fesses ou quoi? Mais c'est parce que tu es frustré. Parce que moi je dis toujours, nos mamans, comme on dit, qui n'ont rien à prouver, qui connaissent la vie, qui sont très sages, elle sait que son mari le trompe. Je ne vais pas dire la trompe. Mais elle parle pas. C'est le mec même qui vient demander pardon. Parce qu'elle a une ouverture d'esprit, elle a une grandeur d'esprit. Elle sait que le garçon, c'est comme ça y est, comme on dit. Mais toi, si c'est pas parce que tu as bassé ce monsieur-là, normalement, le monsieur t'a déjà demandé le divorce, on parle plus de toi. Mais c'est toi qui t'occupes de lui. Peut-être que c'est un gigolo, on ne sait pas. D'abord, un, tu ressembles à rien. Je sais qu'au fond, tu n'es rien. Et c'est toi qui fais des vidéos directes comme quoi, si c'est à refaire, tu vas à refaire. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, on a envoyé des filles. C'est pas garçon, on a envoyé des filles pour te frapper correctement. Pour te montrer que tu es très bête. Tu es idiote même. J'avais pas envie de réagir dessus. Vous me connaissez, moi, je suis beaucoup plus showbiz. Mais souvent, ce genre de réaction, la fois, on apprend à éduquer certaines personnes. Mais avant de continuer, je vais faire une petite parenthèse, m'adresser à celles qui se font et sont fières d'être appelées Tizan. Les amis, vous ne pouvez pas dire mes soeurs, on est garçons, hein. Voilà. Souvent de temps en temps, d'accord. Mais je trouve inconcevable d'être fier de ce titre-là. Voilà. Soit tu te maries, soit tu deviens soeur. Mais tu ne me dis pas que quelqu'un va marier son mec, et puis toi, tu t'assois là tranquillement, bon. Comme elle ne s'occupe pas bien de lui, elle m'occupe bien de toi. Mais il faut le prendre le garder chez toi en même temps. Pourquoi ne pas venir avant elle? Réfléchissez un peu avec votre tête, hein, les filles. Parce qu'il faut savoir une chose, un truc. Si tu ne sais pas te défendre, que tu te retrouves dans cette mission, tu vas te faire bastonner encore. Peut-être par une autre psychopathe. Il faut réfléchir avec ses sa cervelle. Je ne pense pas que vous réfléchissez avec vos seins, vos rondeurs, seulement vos fesses, quoi. Il n'y a rien là-dedans. C'est que de l'eau. Tisa, 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 tisa. Vous allez continuer. J'espère que c'est pour ironiser. Hein. Mais si c'est la vérité, vous allez vous faire bastonner encore pas. Pire que même cette fille-là, même encore. Je ne la défends pas. Je ne suis pas en train de la défendre. Parce qu'elle aussi, elle a eu sa tasse. Parce qu'un mec, avant de sortir avec, il faut quand même prendre la peine de connaître certains détails. Voilà, on fait souvent des erreurs. Dieu merci. Je ne veux pas trop la blâmer parce que, selon ses dits, c'est arrivé qu'une seule fois. Voilà, et puis elle n'a pas voulu. La dame lui a tendu un piège. Elle savait que c'était un piège. Elle n'est jamais venue chez le monsieur-là. Mais franchement, ce sont des actes qui sont vraiment condamnables. Inacceptable. Parce que ce qui me fait mal, quand vous regardez la soi-disant tisa, et puis vous regardez la soi-disant femme au foyer là, bon, il y a un problème quoi. C'est comme si normalement elles se sont trompées de position. Normalement, c'est la tisa qui devait être dans le foyer, et puis la femme au foyer devait être la tisa. Après, la femme au foyer, elle s'est mariée. En plus d'être idiote et bête, elle est sauvage. Ça, c'est un acte de sauvagerie très condamnable. T'as vu les Ivoiriens? Si, ça chauffe pas, hein. Ça chauffe pas. Faut demander à tous ceux qui ont voulu s'attaquer aux Ivoiriens. Nous, on fait nos parabantes, nous ici, on est. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui a venu chier, puis va partir. Il y a caca dans ta tête. C'est pas une femme, mais sinon, il est mal, violemment insulté même. Mais il sait que tu comprends ce que j'ai en train de te dire là. Parce qu'en réalité, ce ne sont même pas des injustes, c'est ce que tu es sur tes qualificatifs. Tu es bête, sauvage. Et tu n'es pas joli, tu es laide. Tu vois, tu es tellement frustré, ça fait peut-être plusieurs années, ton mec te touche peut-être 2, 3 fois par an, ça te fait mal. Il est tombé sur un truc qui lui plaît, il va essayer de s'amuser un peu avec, se mettre un peu bien. Tu as pris de là, tu n'as pas dit, tu as su ça. Ils sont des palais, nous aussi. Tu as su ça. Tu es fâché comme quoi, tu as venu frapper enfin les gens. Ça passait. Cette fille-là n'a pas de soeur, mais elle n'a pas de frère. Sinon, beauté, descente musculaire, elle est faite chez vous là. Tu allais comprendre comment les Ivoiriens régler les problèmes. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Vous savez que d'habitude, moi, je fais mes vidéos posées, mais je ne peux pas être posée parce qu'elle m'énerve même. Où elle va m'énerver là, mais c'est où elle dit, si ça arrive, elle va arriver. Tu es bête ou bien? Tu es bête ou quoi? Tu es bête comment? Femme.
C'est vrai, quand je comprends oralement mon poste hier, les gens m'ont dit que tu n'en valais pas la peine, c'est vrai. Mais il fallait que je fasse cette vidéo m'adresser à toi. Tu es vilaine, ma chérie. Sérieusement, tu es vilaine. Tu es vilaine. Voilà, faut pas en vouloir la fille, elle est jolie que toi. Ton mec a flashé, il a fait un coup, c'est bon, ça va être là. Elle t'a aidé un peu. Il te donne même pas. Au moins, s'il te donne pas, il a rien donné à quelqu'un d'autre. Il lui a donné, ça te fait mal. Femme frustrée.